sait qu'il parle de tout ce que tu veux pas savoir. Pérus Express. OK, Gino, rentre en onde. Oui, je suis prêt. C'est salut, bonjour, le nom de l'émission. Je le sais, longe-moi que ça. Tu te trompes tout le temps. Me tromperai pas, là. Rentre en onde. De retour à Chalet Méchard, j'espère que vous allez bien. Alors, on parle culture avec Marie-Christine. Oui. Je vois que le musée Grévin t'a prêté une réplique exacte du Yeti d'Amérique. Non, c'est Louis-Paul, le chanteur métal de la voix. Ah, pour vrai? Salut. Tu l'as vu chanter? Chanter, non. Ah, non. S'asseoir sur un cactus tout nu, oui. Non, c'est ça, il chantait. Ouais, boy, hein. Ben là, c'est du métal. Ouais, je sais bien, mais j'ai trouvé ça un petit peu lourd, là. Ah, oui, mais t'as. Ça chante pas de l'aluminium, ben du polymère? T'as jamais écouté le chanteur de Iron Maiden? Oui, on l'a tout écouté. Non, mais. Sauf que si on l'écoute après t'avoir écouté toi, on est sûr que c'est la reine des neiges, comprends-tu? Alors, Louis-Paul, t'as des bonnes chances de gagner la finale? Bon, on verra. Et si tu gagnes la finale avec la voix que t'as, Gino, imagines-tu le nombre d'émondeurs qui vont inscrire leur déchiqueteuse l'an prochain? C'est drôle que tu dises ça, je n'ai déjà fait de l'entretien paysager. Ah oui! Et puis toi, tu fais... T'as lâché les plates-bandes pour un band plat. Tu fais ta propre musique. Oh, oui, j'ai ma musique, j'ai mon équipement. Ouais, t'as-tu bien lu le manuel d'utilisateur de ton micro? Gino, c'est dans ton cas, la garantie est nulle, je pense. Regarde, arrête. Tu serais même pas capable de sonner comme moi. Non, en chantant, non. Bon, Louis-Paul. En mettant un bout de carton dans un ventilateur, oui. Bon, là, t'as apporté ta guitare pour t'accompagner. Oui. Ben, ça serait le temps qu'elle te raccompagne, là. Fait que tu vas nous chanter une chanson. Gino, je changerais ça contre un malaise en nombre. On a déjà eu 5 cette semaine. Ça bat pas RDI. Et ta chanson s'appelle? Oh, je suis que ça s'appelle, sonne mieux que sa chanson. Une chanson d'amour que j'ai déjà chantée à ma blonde. Oh. En lui donnant des fleurs ou bien un crankshaft de Dusters sans détresse. On t'écoute. Paul, on va aller à la pause. J'ai pas chanté encore. Ah ça, t'as pas chanté encore? On se fait un Jack Drill dans la rue. Ah, c'est ça, ben chante.